Sur 32 années de règne, François Ier en a consacré environ 17 à la guerre, en Italie et aux frontières du royaume. La guerre a aussi ravagé l'intérieur du territoire lors de deux invasions de la Provence et d'incursions impériales et anglaises en Picardie, en Champagne et en Languedoc. Le royaume de France sous le roi François n'est donc pas sanctuarisé. La mémoire collective a surtout retenu la figure du roi chevalier armé par Bayard à l'issue du triomphe de Marignan. Mais Marignan 1515 est une victoire qui cache une forêt de défaites et de rencontres indécises, notamment la bataille de Pavie, qui en 1525 valut au roi plus d'un an de captivité en Espagne, amorça l'hégémonie de la monarchie des Habsbourg et compromit l'aventure italienne des Valois. En 1515 et 1525, le roi s'engage personnellement dans la conduite d'opérations militaires en Italie. Comme son prédécesseur, François Ier estime que le roi de France a des titres légitimes sur le Milanais. Durant tout son règne, le roi est resté celui qui décide de la guerre et de la paix. Mais entre 1515 et 1525, il a été aussi à la tête de ses troupes, permettant la construction d'une image de roi-chevalier, le distinguant de ses rivaux Henri VIII et Charles Quint, qui paraissaient peu alors sur les champs de bataille. Le triomphe de Marignan a conforté l'idée que l'armée royale est invincible avec le roi à sa tête. La défaite de Pavie ne laisse au roi prisonnier que la vie et l'honneur, à condition de faire valoir des valeurs chevaleresques. Ainsi, la première mention de l'adoubement par Bayard n'apparaît qu'après Pavie. Aucun roi n'avait jusqu'alors réclamé ce rituel. Cet adoubement explique pourquoi le roi ne pouvait fuir. Vaincu par le nombre, le monarque s'est en effet rendu. Et a eu la vie sauve dans l'honneur, contrairement à ceux qui ont fui. Si la défaite n'a pas entamé la construction de l'image du roi chevalier, certaines critiques apparaissent. Durant la captivité, des émissaires français n'ont-ils pas été envoyés vers le sultan afin d'obtenir son aide pour libérer le roi vaincu Cette possible alliance avec un souverain musulman attente durablement en France comme à l'étranger, à l'image du roi chrétien. Par ailleurs, le refus d'honorer les engagements pris lors du traité de Madrid, signé en 1526 en échange de sa libération, est perçu par certains comme un parjure et une perfidie indigne d'un chevalier. Le roi avait en effet promis à l'empereur de restituer la Bourgogne dans les six mois. Arguant qu'on ne peut s'engager sous la contrainte, il se contentera d'une rançon, laissant ses fils en otage pour en garantir le paiement. C'est finalement le traité de Cambrai qui mettra temporairement fin aux hostilités entre François Ier et Charles Quint. Le roi de France renonce à ses prétentions italiennes et récupère la Bourgogne, mais il cède l'Artois et les Flandres. Signé par Louise de Savoie, mère de François Ier, Marguerite d'Autriche, tante de l'empereur Charles Quint, et Marie de Luxembourg, ce traité deviendra la paix des dames. Pour sceller cette entente, François Ier, veuf depuis plusieurs années, accepte d'épouser Éléonore de Habsbourg, la sœur de l'empereur. Enfin, le traité négocie, en échange d'une énorme rançon, la libération des enfants royaux, François et Henri, futur Henri II. Mais François Ier a d'autres ambitions que la conquête des terres italiennes, celle de devenir le chef temporel de la chrétienté. Aucun roi de France n'a été avant lui un aussi sérieux candidat à l'élection impériale de 1519. Il s'est rêvé en nouveau César, en nouvel Alexandre ou en nouveau Charlemagne, et a envisagé une croisade en 1518. Cet imaginaire impérial est aussi pétri d'une aspiration messianique à la monarchie universelle pour faire régner la paix entre princes chrétiens, réformer l'Église et diffuser la foi chrétienne en repoussant la menace ottomane. Faute d'avoir été retenu par les électeurs impériaux, François Ier fera tout pendant dix ans pour empêcher Charles Quint de descendre en Italie prendre ses couronnes et se faire sacrer par le pape. Tant que ce rituel n'est pas accompli, Charles ne peut faire élire un successeur sous le nom de roi des Romains, ce qui laisse ouverte l'élection impériale s'il venait à mourir. Là encore, Pavie fut le tournant qui permit à l'empereur de se rendre à Bologne et d'être le dernier empereur romain couronné par le pape en 1530, le jour anniversaire de Pavie. L'échec de Pavie, le succès de Charles Quint en Italie et son sacre à Bologne en 1530 conduisent François Ier à renoncer à ses ambitions impériales. Le traité de Madrid et la paix des dames de 1529 entérinent provisoirement le renoncement du roi à ses droits italiens. François Ier tente un renversement d'alliance en signant avec le roi Henri VIII d'Angleterre, traditionnellement allié de Charles Quint, le traité d'Amiens. Cet échange diplomatique de 1527 est d'une somptuosité remarquable, donnant lieu à des documents enluminés et des sceaux d'or exceptionnels. Si la guerre reprend avec Charles Quint après 1536, François Ier ne se rend plus en Italie. Il attendra désormais ses adversaires dans son royaume. La défaite de Pavie, qui avait porté au paroxysme l'exaltation du roi chevalier afin d'en conjurer l'échec, a aussi montré les limites de cette figure qui n'assume pas le traité de Madrid, ne revient pas se constituer prisonnier, s'allie avec le Turc et ne se rend pas au cartel de défi lancé par l'empereur. Le roi préfère se dégager de cette posture pour devenir un roi de guerre qui dirige surveille, arpente son territoire, mais qui n'apparaît plus en première ligne.